Mais les rencontres sont prises comme des séances de travail, en fait, puisqu'on a fait une préparation avant de venir ici. Puis on a fait le premier match, on a essayé de bien récupérer, et puis on enchaîne sur les matchs qui nous servent de séances fortes. Les joueurs sont fatigués parce qu'on est dans une région de l'Afrique où il fait chaud. Il fait déjà 9h du matin, 31 degrés, donc ils ont besoin de beaucoup récupérer. Mais on a pas mal d'outils à notre disposition pour favoriser la récupération. Ce qui fait qu'on essaye de faire du mieux possible, mais c'est sûr que quand tu répètes des matchs, ça fait 3 matchs en une semaine, ça fait beaucoup. Il y a une collaboration avec le staff médical, avec le doc, avec des massages. On a des bains froids, on a la piscine, on a pas mal d'outils à notre disposition. On a une salle de musculation dans laquelle on peut bien travailler. Et puis on a pas mal de joueurs à disposition. Donc après c'est le coach qui gère son effectif et qui gère les temps de jeu. C'est toujours, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match où il faut pas gagner. On nous a jamais dit de faire un match pour le perdre. Donc voilà, après le football, ça reste le football. Il peut y avoir des faits de jeu. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer demain à 18h, mais voilà, j'espère que les gars vont faire le max pour faire une bonne performance.